tous les jours. Je me pose de nombreuses questions. Le repos, quelle en est la définition? N'en ai aucune idée, jamais sans y penser. Lorsqu'on termine, il faut sans cesse recommencer. De quoi je parle? Je parle simplement de ma vie. À chaque jour, il se doit face à de nouveaux défis. Étrange, je ne m'en étais jamais rendu compte. Il faut croire qu'il est temps d'exposer ce compte. Quand je me réveille, j'ai déjà au moins 10 messages. Dans l'immédiat, je me ressens déjà en cage. Heureusement, je suis béni par les gestes de mon père, ce qui m'a donné la chance d'être un sincère enfer. Grâce à cela, je performe déjà mon temps sommeil. Grâce à cela, je performe très bien dès mon réveil. Malheureusement, je ne suis pas Black Panther. Terry, si tu penses être invincible, tu n'es qu'un menteur. Pandémie m'a ouvert les yeux. La solitude et moi ne faisons pas deux. Je dois faire face à nos labyrinthes de ma vie. Et un jour espérer devenir un homme pleinement aguerri. Impossible de me souvenir du nombre de fois où j'ai marché dans ces couloirs avec toi. Quand tu es parti, je me suis senti tellement seul. J'ai eu l'impression de tisser mon propre linceul. Tout est devenu vide, je n'avais plus de repères. Je suis devenu rigide, car je n'avais plus d'air. Soudainement, j'ai sombré dans l'enivrement. Et non pas dans un coin, mais dans un océan. Tout devenait dark, tout devenait son. Ma joie a commencé à se faire dans les décombres. Aller en cours, c'était devenu une vraie torture. Car chaque pas que je faisais était un vrai coup dur. Beaucoup trop de souvenirs liés à cet endroit. Croyez-moi, la nostalgie peut être un être noir. Je l'ai appris de manière forte à ma grandement blessée. Mais j'ai vaincu car je n'ai jamais abandonné. Pandémie m'a ouvert les yeux. La solitude et moi ne faisons pas deux. Je dois faire toi seul dans la vie de la vie. Et un jour espérer devenir un homme pleinement guéri. Je me souviens de notre choc lorsqu'il est arrivé. Je me souviens de la peur qui s'était installée. C'est comme si nous étions dans un film d'horreur. L'avènement d'une nouvelle ère de terreur. Je me retrouvais en terre connue, complètement inconnue. Vous n'êtes pas les seuls à trouver cette pensée superflue. C'est ainsi que je me sentais lors du dernier retour. La vie nous a joué à tous un mauvais tour. Il n'y avait plus personne, il n'y eut qu'un fantôme. À croire que je me suis tué dans l'interdite zone. Le bonhomme que je croisais était comme sans vie. Au point où je me demandais est-ce que les gens me suivent. Mon degré de motivation était au plus bas. Cela marquait le début d'un tout nouveau combat. Nouvelle forme de solitude qui se nomme covitude. Néologisme qui résume tout ce prélude. Pandémie m'a ouvert les yeux. La covitude et moi ne faisons pas deux. Je dois faire face au labyrinthe de la vie. Et un jour espérer devenir un homme pleinement. Crazy.